es-tu? Qui es-tu, Suda Goichi? Toi, le punk qui a créé un studio de punk pour faire des jeux de punk. Merci de nous rejoindre sur Final Game Onitron. C'est la 155e émission qui est consacrée entièrement à Grasshopper Manufacture et à son créateur de fou ou de génie, ça dépend de chacun. Suda Goichi, le japonais, donc l'émission consacrée au No More Heroes, au Lollipop Chainsaw, Killer is Dead, Killer 7 et bien d'autres encore dont on va parler lors de notre 155e émission en compagnie de Nicolas, bien évidemment. Ça va ? Ça va, ça va. Super, j'en ai rien à foutre. On est toujours en direct sur Radio Campus Clermont-Ferrand, c'est tous les lundis de 21h à 22h. Vous allez sur le site de Radio Campus Clermont-Ferrand si vous n'êtes pas de Clermont et vous avez droit à accès au streaming. Et sinon, rendez-vous sur notre site gamemonitron.fr où vous pouvez écouter nos émissions en podcast ou également sur YouTube. Ouais, tout voilà, tout est dit. Oui, qui es-tu? Qui es-tu, Suda Goichi, qui te fait surnommer Suda 51? Alors pourquoi Suda 51? Tout simplement parce que Goichi, hein, son nom, en fait, Go. Ichi, en japonais, ça veut dire 51. C'est le chiffre 51, tout simplement. C'est pour ça qu'il s'est fait... Rien à voir avec le pastis, quoi. Non, voilà, rien à voir. N'importe quoi, ce mec. Voilà, tout simplement pourquoi il se fait appeler Suda 51. Il aura 50 ans le 2 janvier de l'année prochaine. Et oui, il est plus tout jeune, le petit, tout à fait. Et ça sera mieux quand il aura 51 ans, du coup. Ah bah, ça sera là, il fera sa festival, hein, concrètement. C'est vrai que j'aurai une pensée pour lui. J'aurai une pensée pour lui, forcément. Suda Goichi, c'est ce créateur fou japonais dont on va parler longuement ce soir. Et c'est quelqu'un qui a eu en fait un parcours très, très original, qui est presque à l'image des jeux presque qu'il fait. Alors c'est un jeune garçon qui va quitter l'école, qui va quitter même son école de design qu'il a fait juste après lycée. Il a à peu près 19-20 ans environ et il va essayer de chercher du boulot. Voilà, il décide de plus utiliser l'argent de ses parents qui payent voilà, son école. Il va essayer de chercher du boulot tout seul et il va en trouver. Et son premier boulot, je vous jure que c'est vrai, il va travailler pour les pompes funèbres. Il est à Tokyo, hein. Il va travailler pour des pompes funèbres et c'est vrai qu'il va devoir donc s'habiller en costume, être très sérieux, bien évidemment. C'est un métier qui n'est pas évident. Et côtoyer la mort tous les jours, hein. C'est vraiment c'est dire. Et c'est vrai que, alors, même s'il dit lui-même qu'il est bien payé, qu'il n'a pas forcément à se plaindre, même s'il doit parfois se remettre en question avec ce qu'il peut voir ou entendre, bien évidemment, dans son milieu. Il va avoir, comment dire, le destin va venir frapper à sa porte, ou presque, puisqu'un jour, en fait, dans un magazine, il va avoir, en fait, une annonce, un studio de développement de jeux vidéo cherche une personne qui s'y connaît en catch. Et forcément, eh ben, Suda Goichi, quand il était gamin, il faut savoir qu'il passait son temps à regarder des matchs de baseball, à aller dans les game centers, ou les salles d'arcade, si vous préférez, et à regarder du catch. Il est hyper passionné de catch, il est super calé sur la question. Et donc, en fait, il se dit, pourquoi pas, je ne vais pas faire les pompes funèbres toute ma vie, je vais envoyer un CV à cette société pour savoir ce qu'il en est. Alors, sur le moment, il envoie le CV, tout ça, machin, il a un entretien, mais sur le moment, ça en reste là. Et peut-être un mois à peu près, un mois plus tard, il se dit, bon, j'ai pas de nouvelles. Et avec l'impulsion de sa femme, eh bien, il va décider de rappeler la société pour savoir où en est le dossier. Est-ce qu'il cherche toujours ou est-ce qu'il doit laisser tomber, hein, finalement. Il les rappelle. Et là, c'est pour vous dire à quel point son début de vie va être extraordinaire. Et c'est véridique. C'est que le même jour où il va appeler la boîte qui s'appelle Human, c'est un studio de développement japonais qui n'existe plus maintenant, mais voilà. Le même jour, en fait, le directeur de ce petit studio a démissionné. Et c'était la seule personne qui s'y connaissait vraiment en catch. Mais je vous jure que c'est vrai. Et donc, il appelle le mec, tout ça. Il dit, ah oui, machin. Et donc, il y a quelqu'un au téléphone. Ah oui, machin, bah oui, notre directeur, il a démissionné. Mais attendez, c'est pas vous qui êtes super fan de catch, tout ça. Il dit, bah oui, venez tout de suite. C'est vrai, tout est véridique. Suda Goichi se rend au studio et le lendemain, il est propulsé réalisateur de son premier jeu vidéo pour le studio Human. Ça va être un jeu de catch. Le mec, il s'y connaît rien en jeu vidéo, il s'y connaît rien au métier de réalisateur. Hein. Attention, j'ai dit qu'il a fait une école de design, pour les pompes funèbres, tout ça. Il s'y connaît rien, il va être propulsé réalisateur, il va faire son premier jeu de catch. Ça, c'est en 1993, c'est un jeu qui sort sur la Super NES. Alors, vous savez, les jeux de catch s'appellent le Pro Super Wrestling, truc bidule. Et c'est son premier jeu en tant que réalisateur.
réalisateur. Et la société va même continuer à lui faire confiance pour un autre jeu. Là, on passe en 1996 sur PS1. Avec un jeu qui sortira, donc comme j'ai dit, en 96, qui s'appelle Twilight Syndrome, alors qui est un jeu, comment dire, un jeu horrifique où vous incarnez des lycéennes, tout ça, qui doivent enquêter sur un espèce de psychopathe qui les rend folle, tout ça, machin. Donc c'est sorti qu'au Japon, hein. Les deux jeux que j'ai cités, c'est sorti qu'au Japon. Et donc il est une nouvelle fois réalisateur. Sauf que Suda Goichi... Voilà, il se dit, voilà, je suis chez Human, tout ça, mais le studio, il est réalisateur, mais c'est pas le directeur, hein, du studio. Il se dit, ok, c'est cool, mais j'ai l'impression que je vais pas forcément m'épanouir là-bas. Il avait l'impression qu'il ne pourrait pas créer ses propres jeux, insuffler sa propre patte. Human veut faire un type de jeu bien particulier, et ça ne correspond pas avec Suda Goichi. Et il se dit, eh ben, je vais tenter ma chance tout seul. Je vais voir. Il quitte le studio Human, avec la petite expérience qu'il a, et il va fonder son propre studio de jeux vidéo, lui-même. Ça va s'appeler Grasshopper Manufacture. Alors, pourquoi Grasshopper? Parce que Suda Goichi, c'est aussi un fan de rock. C'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Et en fait, il y a un groupe de rock qui s'appelle Ride. Vous pouvez les retrouver sur YouTube. Et il faut savoir qu'il y a un de leurs morceaux qui s'appelle Grasshopper. Et c'est un morceau, en fait, qui est assez original puisqu'il dure plus de 10 minutes. C'est un putain de gros morceau de rock. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Vous tapez Ride et Grasshopper. Vous pouvez écouter la musique. Et en fait, il a décidé d'appeler son studio comme ça parce qu'il faut savoir que quand il travaillait pour Human... Vous savez, c'est les Japonais, hein, ils travaillent énormément tout ça, même à l'époque, hein, il n'y a pas qu'aujourd'hui. En fait, quand il avait une petite heure de pause, eh ben, en fait, plutôt que d'aller faire la sieste, ce que font beaucoup de Japonais, genre vers 18h, hein, ils ont une petite heure de pause, et après ils réattaquent jusqu'à minuit. C'est le Japon, hein, tout le monde le sait. En fait, si vous voulez, pendant sa petite heure de pause, en fait, soit il mangeait, soit en fait, il écoutait en boucle les morceaux de ce groupe de musique Ride, et notamment le morceau Grasshopper en question. Il écoutait ça en boucle, et quand il revenait au travail, eh bien, il revenait avec une nouvelle énergie, il était gonflé à bloc pour continuer à travailler sur les jeux dont il était question. Et c'est pour ça qu'il a décidé d'appeler son studio Grasshopper. Manufacture, pourquoi? Bah, parce qu'il voulait donner un côté un peu usine à son studio, voilà, quelque chose, ouais, un studio un peu à tout faire, c'est un petit peu l'idée qu'il voulait donner. Et donc il va prendre contact avec des gens, en recruter, lever des fonds, et un peu à l'image aujourd'hui d'une start-up, eh bien ils vont commencer à créer, produire leur propre jeu vidéo au sein de Grasshopper Manufacture. Et leur premier jeu, le premier jeu qu'ils vont... réaliser, ça va être The Silver Case, qui sortira sur PS1, si je dis pas de conneries, et Dieu sait que j'en dis. Qui sortira sur PS1, donc qui est un espèce de jeu très gore. Ça, faut tout de suite le dire, c'est un jeu très gore. Un jeu d'enquête, un petit peu comme l'avait fait Twilight Syndrome juste avant. Un jeu d'enquête psychologique horrifique. Et on retrouve tout de suite dans ce jeu, alors qui est sorti, je crois, qui était ressorti sur PC, si je dis pas de conneries, ou sur, ouais, PlayStation. Il y a une version PC, peut-être même, voilà, sur PS4 aussi. Ouais, c'est ça, qui est ressorti en téléchargement il y a pas très longtemps. Mais avant, c'était qu'un jeu qui était sorti au Japon. Mais c'est vrai que quand on regardait les visuels, c'était assez marrant de voir que tout de suite, il y a une petite patte Suda Goichi, Grasshopper, qui se dessinait déjà dans ce jeu-là. Sauf que bah, c'était le premier jeu, ils ont eu beaucoup de problèmes de finances et tout, des désaccords entre l'équipe, donc c'était très très dur, très très lourd. Et disons que pour leur deuxième jeu, ils ont décidé de faire un jeu avec un univers plus léger, avec un concept plus léger mais un peu plus barré. Ça va être Flower, Sun and Rain, qui sortira lui en 2001 sur la PlayStation 2. Un jeu, alors effectivement, qui est beaucoup plus coloré, hein, puisque ça se passe sur une île paradisiaque. C'est une espèce de jeu d'enquête un peu barré. Si on a deux minutes, on en parlera tout à l'heure, mais bon, c'est pas le jeu qui nous intéresse, en tout cas pas pour le moment. C'est un ovni, tout simplement. Ouais, encore une marque, ouais, de fabrique de la part de Grasshopper. En 2004, cette fois-ci, ils vont réaliser un autre jeu. Tu connais peut-être, alors je pense que c'est connu par certains amateurs, qui s'appelle Michigan Report from Hell. C'est un jeu d'horreur. Vous incarnez un caméraman qui va suivre, qui va suivre une journaliste dans le Michigan, tout ça, où il s'est passé des trucs, je crois qu'il y a des problèmes climatiques et ça a entraîné des disparitions, tout ça. Et donc ils vont enquêter là-dessus. C'est un jeu qui est assez, contemplatif. Pareil, c'est un ovni que vous pouvez trouver sur PS2 en France. Hein. Il est sorti également chez nous. Mais il faudra attendre 2005 pour voir le premier vrai gros jeu de Suda Goichi. Alors, c'est un jeu. Il faut savoir que Suda Goichi, depuis le début, il voulait
un style graphique à ces jeux. Alors, il avait commencé à élaborer ça avec Flower, Sun and Rain, qui est un jeu avec un cel shading, mais un cel shading un peu épuré, avec des grands aplats de couleurs. Hein. Il voulait un style. Il voulait quelque chose à son jeu. Et il en a parlé à quelqu'un. Et ce quelqu'un, bah, c'est pas n'importe qui. Ce quelqu'un, c'est Shinji Mikami, le créateur de Resident Evil, de Resident Evil 4, de Vanquish et de The Evil Within, dont on va parler la semaine prochaine, bien évidemment. Shinji Mikami, parce que Suda Goichi et Shinji Mikami, bah, comme ils sont deux mecs du milieu, ils se sont rencontrés, et il faut dire que Suda Goichi, c'est un mec qui est adorable, et ils se sont liés d'amitié tous les deux. Et Shinji Mikami, il était sur le point de partir de Capcom après l'affaire de Resident Evil 4. Je rappelle que Shinji Mikami ne voulait pas que Resident Evil 4 aille sur... Il l'a fait sur GameCube, il ne voulait pas qu'il aille sur PS2, chose que Capcom... parce que c'était pas lui le directeur, chose que Capcom n'a pas voulu, et le jeu est passé sur PS2, et Mikami s'est barré après. Sauf que là, eh ben, Suda Goichi va présenter la patte graphique de son futur jeu, on va dire un moteur graphique, à Shinji Mikami. Et là, je jure que c'est vrai, Shinji Mikami il a dit « Ok, je te produis un jeu ». Shinji Mikami va être le producteur d'un des premiers énormes ovnis de Suda Goichi et de Shinji Mikami, les deux ensemble, ça peut faire que des ravages. Il s'agit de... Killer 7. Bien, tu vois, tu cites. Killer 7, on en parle tout de suite. Killer 7, qui est sorti en 2005 sur GameCube et un petit peu plus tard porté sur PlayStation 2 par Capcom, justement, qui réunit Suda Goichi et Shinji Mikami. Alors, juste une petite anecdote, il faut savoir que le staff, un des membres de l'équipe de Grasshopper Manufacture, a dit de Suda Goichi que ce mec-là, c'était pas un créateur, mais c'était un businessman. Pourquoi ? Parce que ce mec, il a des idées folles, mais qu'il arrive à mettre sur le marché. Parce que tout le monde n'y arrive pas. Il y a des gens qui ont des idées, certainement des idées créatives complètement barges, mais qui n'arrivent pas à les mettre en jeu vidéo, en film, etc. Et Suda Goichi, il arrive à en faire son fonds de commerce. Et c'est pour ça qu'il dit de lui que c'est un businessman et non pas un créateur. Pas bête. Killer 7, c'est un jeu qui va être remarquable sur plein d'aspects, notamment sur son aspect graphique, son scénario, sa violence. Et ça, c'est juste sa fouille. C'était quoi pour toi Killer 7, Nico ? Moi, ça a été un ovni dans le monde du jeu vidéo, un truc auquel que j'avais jamais vu auparavant. D'ailleurs, c'est avec ce jeu que j'ai appris le nom de Suda Goichi, enfin que j'ai découvert le personnage du coup. Mais ouais, ça a été un truc complètement avec un scénario incompréhensible, mais qui est tellement... Enfin, on comprend rien, mais c'est tellement bien fait que finalement on trouve ça excellent. Ouais, c'est un peu ça. Alors, il faut dire que le jeu graphiquement, on est sur une espèce de cel shading donc qui est assez épuré, qui est très violent. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de jets de sang ou de sang vert, parce que vous affrontez des bestioles. C'est pas, vous affrontez pas vraiment des humains dans le jeu, vous affrontez des bestioles. Le principe du jeu, c'est que vous allez incarner 7 tueurs en fait, qui ont chacun une personnalité différente et donc une façon d'être joué différente. Alors, dedans, je crois qu'il y a une nana, il y a un mec qui est classe, juste classe, il y a un gars qui écoute pas les qui voit pas et qui écoute pas les sons, je crois. Ils ont tous des particularités un peu bizarroïdes. Et en fait, vous pouvez, je crois qu'au début d'une mission, en fait, vous avez trois ou quatre tueurs à disposition et vous pourrez switcher entre chacun des tueurs pour faire la mission. En sachant que en fait, les missions que vous allez faire, c'est des missions d'assassinat. Vous allez avoir des monstres qui vont vous barrer la route. Alors, c'est des monstres qui sont très proches, je trouve, de l'univers, tu sais, de Shin Megami Tensei, il y a une autre licence de RPG japonais. Ils s'appellent les rieurs, je crois. Ouais, c'est ça. Exact. Et du coup, en fait, il faut trouver leurs points faibles pour pouvoir les tuer, tout simplement. Donc, ils ont chacun des points faibles un peu différents, et donc il va falloir switcher entre les tueurs pour pouvoir les défoncer. En sachant que l'aspect graphique, l'univers, c'est vrai que c'est, il y a un côté un peu oppressant, même si en fait les décors
En fait, de base, même si c'est du cel shading, c'est des décors qui sont tout à fait normaux. Des bureaux, un parking, une allée de rue. Mais en fait, il y a tellement de pattes graphiques, c'est tellement surchargé, et il y a les bestioles qui sont là, que ça en fait un univers super bizarre, en fait. Surtout que les créatures, si je me rappelle bien, on les voit pas au départ. Et en fait, on entend juste leur rire, d'où le nom les rieurs. En fait, il faut scanner... Oui. Il y a une espèce de fonction de scanner pour les repérer. Et en fait, c'est un jeu où on n'est pas libre de nos mouvements. En fait, on avance comme si on était sur un rail. Exactement. On ne peut pas déplacer le personnage comme on veut. C'est ça. En fait, vous avez juste une touche pour avancer ou faire reculer votre personnage. Parfois, vous avez des embranchements à droite, à gauche, ou aller au premier étage, etc. Mais effectivement, en fait, le personnage, en fait, quand vous appuyez sur avancer, il avance tout seul comme s'il était sur un rail prédéfini. Et donc, vous allez affronter les adversaires. Et le but, c'est d'aller au bout des missions. Sachant que parfois, il y a des petits casse-têtes par-ci par-là pour des petits labyrinthes pour pouvoir avancer dans le jeu. Comme tu l'as dit, le scénario est totalement barge, les scènes sont totalement folles, et c'est vrai qu'il y a plein de trucs on se dit mais c'est quoi ce jeu, quoi. C'est-à-dire que vous avez toujours ce que j'appelle moi les safe rooms du jeu, c'est-à-dire que vous retrouvez dans l'appartement j'ai envie de dire du maître des tueurs, en fait, celui qui va récupérer, parce qu'en fait quand un de vos tueurs meurt, il y a un mec qui est habillé en costard blanc qui vient récupérer le gars, il le fout dans sa valise. Il se barre. En fait, au début d'une mission, vous êtes dans l'appartement, je suppose, de ce gars-là. Et en fait, dans l'appartement, il n'y a pas de musique, sauf que vous entendez des gens qui hurlent à côté de l'appartement. Mais tout est barré dans ce jeu. Tout est malade. C'est un jeu de malade mental. Et ça a été fait donc avec Shinji Mikami, je rappelle, qui est le créateur de Resident Evil. Et d'ailleurs, pour une autre anecdote, il faut savoir que Suda Goichi voit Shinji Mikami comme un dieu. Tout simplement, parce que, c'est quand même le réalisateur de Resident Evil, quoi. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quel troufion japonais sorti de nulle part. Et c'est aussi un mec qui est très perfectionniste, hein. C'est pas un gars avec qui tu rigoles beaucoup quand tu développes un jeu. C'est un mec qui est hyper sérieux, hyper concentré. Et je dis pas que Suda Goichi l'est pas du tout, hein, mais je dis juste que Shinji Mikami, il a cette référence-là d'être un mec très perfectionniste et très pointilleux. Et disons que parfois, Suda Goichi devait l'appeler sur son portable à Mikami pour lui demander des trucs, de trucs professionnels. Et en fait, Shinji Mikami l'impressionnait tellement qu'il n'osait même pas composer son numéro, quoi. Il avait un tel respect pour ses aînés qu'il n'osait pas. Parce qu'il faut savoir qu'ils collaborent tous les deux merveilleusement bien, parce que Shinji Mikami, c'est un mec qui donne son avis, mais qui donne pas son avis vraiment à titre personnel, qui essaye de trouver un point de vue objectif au moindre reproche qu'ils peuvent faire. Et donc pour Suda Goichi, c'est un régal, parce qu'il voit Shinji Mikami comme un maître, comme un dieu, comme un mentor. Il faut savoir aussi que Suda Goichi, pour voir que c'est un mec super, il est aussi très ami avec Hideo Kojima, le créateur de Metal Gear Solid. Ils se rencontrent dans la vraie vie, tout ça, ils boivent des coups ensemble et tout. Et c'est vrai que quand Hideo Kojima le conseille ou lui parle de trucs, tout ça, Suda Goichi, il est là, il boit ses paroles. Peut-être un jour une collaboration Kojima. Ah, mais ça serait énorme, ça serait énorme. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que tous ces trucs-là, je ne le sors pas de mon chapeau, hein. Je le sais. De sources sûres, c'est pas Wikipédia, c'est oui, machin, c'est Suda Goichi. Il suffit de voir rien que, par exemple, Hideo Kojima, il est très actif sur Twitter. Tout à fait. Et il y a des fois Suda Goichi qui lui répond à des tweets et des trucs comme ça. Exactement. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il a travaillé avec un grand maître et effectivement, il était tout impressionné et très très heureux de pouvoir travailler avec Shinji Mikami. C'était la première de leur collaboration, on en retrouvera ça un petit peu plus tard. En tout cas, c'est vrai que Killer 7, effectivement, c'est pas un jeu à mettre entre toutes les mains. Oui, clairement. Ah, c'est très clairement. C'est vraiment pour un public qui est très averti. Mais c'est vrai que quand vous allez jouer à Killer 7, vous pouvez jouer à tous les jeux de Suda Goichi. Parce que les autres seront quand même plus accessibles, quand même. Oui. On va quand même dire ça. Ça va être de manière générale quand même beaucoup plus accessible. Moi, quand même, ce que je retiens dans Killer 7, c'est qu'effectivement, le jeu est fou. Le scénario, tu dis qu'il est incompréhensible, mais je trouve pas si bête que ça. Pas si fou. Ah non, j'ai pas dit que c'était bête. Attention, ne pas confondre. Il faut suivre. Il faut vraiment suivre. Et surtout, il y a une révélation finale. Moi, oui. Voilà. C'est moi. J'ai envie de lui biser la fesse droite à Souda. Un autre Souda 51 national. Et c'est vrai que quand Shinji Mikami et Suda Goichi ont tenté de faire Killer 7, ils avaient un objectif en tête. C'était faire du jamais vu. Franchement, Paris réussi. Ils ont réussi, oui. Paris réussi.
Alors, pour une petite histoire, ensuite, il faut savoir que grâce au Per Manufacture, ils ont réalisé un jeu en fait pour Namco Bandai. C'était une adaptation de l'excellent animé Samurai Champloo. Donc, ils ont fait un jeu. Alors, il n'est pas sorti en France. Hein, c'était un beat'em all qui est sorti que au Japon. Et en fait, si vous voulez, ce jeu-là, d'un point de vue gameplay, alors on peut pas dire ce que c'est, hein, parce que on peut pas. Enfin, je dis que c'est un beat'em all ce que j'ai vu, mais après, je peux pas dire la qualité du jeu parce que on n'a pas pu jouer forcément. Il faut savoir en fait que ce jeu va énormément les inspirer pour leur prochain jeu. Et leur prochain jeu, il faut savoir que Suda Goichi, à la base, il voulait le faire sur Xbox 360. Ça l'intéressait, ça lui bottait, il voulait le faire. Sauf que il y avait l'éditeur de son futur jeu, l'éditeur Marvelous, qui est connu hein, des joueurs de niche, hein, notamment. Le patron de Marvelous est venu voir Suda Goichi et lui a dit « Non, commence pas à faire ça sur Xbox 360. » Alors, je dis ça, on est en 2005-2006, hein, pour situer. Il lui dit, il va voir Suda Goichi, il dit « Non, non, fais pas ça sur 360, tu vas voir, attends la Wii, tu vas faire ton jeu sur Wii. » Puis Suda Goichi, il a dit « Ouais, bon, pourquoi pas. » Et quand il a vu la Wii, il a tout de suite compris. Et je pense que peut-être vous aussi, vous avez peut-être compris de quel jeu je veux parler. Il s'agit bien sûr de No More Heroes. Moi, j'ai envie de dire « It's game time !» Et ouais, les premières paroles de Travis Touchdown dans No More Heroes qui sortira en 2007 sur Wii. Et je pense que Nintendo se souviendra longtemps de cette date, le jour où Travis Touchdown va écarter les petites fesses de Mario, lui écarter la rondelle et faire rentrer tous les jeux gamers, les jeux de niche, dans le cul de la Nintendo, parce que avant, il faut dire ce qui est, il n'y avait rien sur cette putain de console raclette de merde. Voilà, ça c'est dit, parce qu'avant, il n'y avait rien, à part nous avoir porté de façon très douteuse Twilight Princess, Zelda, de la GameCube à la Wii, hein, pour bien nous enfiler, et ben No More Heroes et Travis Touchdown a fait de même avec leur jeu. Travis Touchdown, dans No More Heroes, c'est qui? Je pense qu'on peut qualifier ce mec d'obsédé sexuel, d'otaku, ça se voit à son appartement, rempli de figurines de manga, de paquets de Kleenex, à côté de VHS, d'animé de Lolita. Ah, on peut dire ça comme ça. C'est le seul mec au monde qui a la méga classe, super coupe de cheveux, les lunettes d'Elvis, la belle veste et un t-shirt de jeune fille. C'est un peu ça. Sauf que ce mec, il se fait chier un peu dans sa vie et il va décider d'acheter un sabre laser sur Internet. Jusque-là, tout est normal. Un vrai sabre laser. Un vrai sabre laser, exactement. Tu fais bien de le préciser. Sauf que ce couillon, un jour, il va rentrer bourré, il va se faire enfumer par Sylvia Christel, une belle blonde qui va lui faire mouiller un peu le pantalon de Travis. Et de fil en aiguille, cet andouille va devenir tueur à gages. Pourquoi? Parce qu'il a qu'une envie, c'est de sauter Sylvia. Ouais, en fait, elle lui explique que s'il devient le meilleur tueur à gages au monde, c'est ça. Il pourra peut-être, elle acceptera peut-être de coucher avec lui. De Santa Destroy. Ouais. Destroy, c'est la ville où se passe No More Heroes. Et donc, en fait, Travis est... parce qu'il va buter malencontreusement le dixième meilleur tueur c'est du ça. Monde, il va se retrouver de la ville, il va se retrouver dixième. Et donc, bah, il va devoir gravir les échelons pour atteindre le rang de numéro 1.
Exactement. Tout ça pour se taper Sylvia. Exactement, c'est ça. No More Heroes, Nico, c'est quoi ? Ah, c'est un jeu absolument génial. Ah, je suis là. C'est vraiment... on a du beat'em all, donc en gros, le principe du jeu est simple. On va devoir aller dans les lieux où se trouvent les tueurs. Et il y aura deux phases. Il y aura un niveau qui correspond... c'est soit là où le tueur vit, ou soit ça correspond à la personnalité de... du tueur. Et une fois que donc, c'est un niveau où on va affronter des ennemis, il y aura quelques petites énigmes à droite à gauche, et à la fin du niveau on aura le combat contre le tueur, combat de boss qui seront absolument exceptionnels. C'est le grand moment du tout jeu tout au long du jeu. Voilà, c'est vraiment le moment fort de... Autant les niveaux sont sympas, mais bon, c'est pas non plus c'est pas foufou, ouais. C'est pas foufou, ouais. Autant les combats de boss là par contre ça reste assez assez magique. Et puis voilà, c'est un jeu où, comme tu dis, on a un héros qui est absolument délirant et complètement con. Mais vraiment, Mais qu'est une méga classe. Voilà, il a de la classe, il est un peu con, il se la pète, il est avec son sabre laser. Et effectivement, l'intérêt de jouer sur Wii, c'est que, en fait, quand on donne des coups aux ennemis, en fait, on doit, à la fin d'un combo, on doit reproduire un mouvement de la Wii pour donner un coup avec le sabre laser. Jusque là, tout va bien. Violent. Sauf que le sabre laser fonctionne sur batterie. Et quand il est vide, et ben il faut branler sa Wiimote, littéralement, pour le recharger. Et surtout, c'est que Travis, il branle aussi son sabre laser en même temps. Ah, putain, ça m'a fait mon année 2007, hein, très clairement. Faut dire ce qu'il y a. Alors, l'histoire dit que Nintendo a pas trop kiffé. Qu'on branle sa manette, que ça soit suggestif. Il y a eu de la censure dans le jeu. Oui, il y a eu de la censure. Il y avait, en fait, normalement, les ennemis explosaient dans des gerbes de sang qu'on les affrontait, et Nintendo, ça leur a pas trop. Alors, il faut savoir que les versions japonaises et européennes ont été censurées, mais pas la version américaine. Ce qui fait que nous, dans notre version, en fait, les ennemis explosent dans un tas de pixels, finalement. Oui, c'est un petit peu ça. Alors, No More Heroes, c'était quoi ? Alors, graphiquement, c'était côté cel shading. Alors, c'est quand même moins fou que Killer 7 au niveau de la patte graphique. C'est quand même un peu... On détermine beaucoup plus les contours que, j'ai envie de dire, des textures que dans Killer 7. Il y avait un truc qui était assez original, c'est qu'il y avait un monde ouvert dans le jeu, ce qu'on pouvait se balader entre guillemets dans la ville de Santa Destroy. Alors ça n'avait pas un gros intérêt, alors c'est vrai que c'était pas trop mal de l'avoir fait, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément d'interaction avec la ville était un peu vide finalement. Le seul intérêt, c'est de voir la moto super classe de Travis, ouais. Parce qu'il se passe avec une moto absolument dont le design est absolument formidable. Ça peut être ce con. Et surtout, en plus de ça, c'est vrai que pour affronter en fait les boss en fait du jeu, en fait il faut aller payer des contrats auprès de la guilde des assassins, je crois que c'est un nom à peu près comme ça. Et en fait, il faut récupérer de l'argent. Et pour récupérer de l'argent, il faut faire des petits boulots à la con, comme de ramasser des noix de coco sur la plage, ramasser des scorpions qui font du mal dans les terrains vagues, ce genre de conneries. Et donc, il faut qu'on se déplace. Ou alors, il y a des missions d'assassinat contre plein de mecs, tout ça. Et donc, il faut réussir ces missions, récolter de la thune. Et cette thune, on va la dépenser à cette espèce de guilde d'assassins qui vont nous donner l'adresse du futur mec à tuer, etc., etc. Il faut savoir que le jeu, en fait, se passe par journée. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tué un assassin, on revient à l'appartement de Travis. Et d'ailleurs, on reçoit un coup de téléphone d'une nana du vidéoclub porno où il s'achète les trucs, et tous les jours il y a un truc différent, genre qu'il a un retard de je sais plus combien. Oui, c'est ça, oui, excusez-nous, mais vous avez pas rendu la bonne cassette, là sur la vidéo qu'on voit, on voit un mec en train de forniquer avec un coussin. Tu pouvais le bon truc. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Ça fourmille de trucs à la con, des blagues de d'otaku, de japanime, de merde, qu'il n'y a que les gars comme toi, moi ou Travis Touchdown qui peuvent vraiment apprécier ce genre de conneries. Si je dis pas de bêtises, vous pouviez, il y avait même un petit mini-jeu, je crois, alors je sais plus si c'est dans le 1 ou dans le 2, où tu jouais, tu sais, il y a le dessin, il y a un animé, tu sais, que tu peux regarder dans le jeu. C'est un petit générique, ouais, hein, ça dure quelques secondes. Je crois secondes. Que c'est dans le 2, le petit c'est dans le 2, ouais, c'est dans le 2, tu vois. Mais bon, en tout cas, je sais que tu pouvais mettre une cassette, tu pouvais regarder un petit bout d'animé dans ta piole, là où t'habites. Et puis surtout, ce qui était mortel, c'est que pour sauvegarder. Ouais, il fallait aller aux toilettes. Il fallait aux toilettes, effectivement, et tu voyais presque tout, entre guillemets, parce que tu voyais le pantalon baissé en train de poser sa pêche, et là, ça te demandait si tu voulais les sauvegarder, oui ou non. Et ce qui était énorme, c'est que pour No More Heroes 2, notamment, quand Suda Goichi faisait des interviews pour son jeu, il faisait ça dans les chiottes.
Il y avait une espèce de babes juste à côté de lui, et lui, il était sur le trône, et il présentait son jeu. Je l'adore, ce mec. Rien que pour ça. Et donc, No More Heroes, c'est quoi? C'est des musiques qui sont parfois un peu folles, qui sont un peu bonnes, et qui sont bonnes également, et puis comme tu as dit, c'est des affrontements contre les boss qui ont tous des personnalités qui sont très différentes, parce que ça donne droit à des scènes cinématiques qui sont bourrées de références cinématographiques. Ouais, parce qu'avant de s'affronter, t'as la petite scène où les deux, voilà, Travis et le tueur, ils discutent, ils se jaugent un peu, et après il y a le combat. Et à la fin du combat, tu vois les mecs qui, la guide des assassins qui nettoient le sol avec des aspirateurs. Il y a Sylvia Kristel qui arrive, elle a toujours une tenue un peu différente, ou alors elle est dans une boîte de nuit, ou un autre coup elle est au massage, enfin bref, elle est toujours en train de l'appeler Travis pour savoir s'il avance, s'il progresse ou pas. Il y a plein de what the fuck, il y a des scènes qui sont vraiment excellentes, et surtout c'est vrai que les combats de boss sont vraiment l'intérêt du jeu, et effectivement c'est une des grosses réussites du titre, c'est d'affronter des boss qui sont véritablement fou. On en parlait juste avant de commencer l'émission. Il y a 2-3 boss qui sont vraiment énormes. Notamment un où c'est une, comme tu le disais, c'était une petite vieille dans son caddie, je vais se raconter. Oui, en fait, c'est une mamie qui a son caddie, et donc t'as Travis. En fait, ils sont dans une ruelle. Imaginez les grandes rues désertes façon western. Mais très très longue. Voilà, très, très, longue, très très longue. Qui fait plusieurs centaines de mètres de long. Et donc, elles sont chacun d'un bout de la rue. Donc, t'as Travis qui gueule. Oui, c'est vous le quatrième assassin, ou je sais plus quoi. Et t'as la petite mamie. Ah, pardon, j'entends pas très bien, monsieur. Et donc, il repose la question. Et en fait, pendant le dialogue, il y a son caddie qui se transforme en un immense canon fusil sniper, dont le canon fait toute la longueur de la rue, limite. C'est ça, et le but, ça va être d'éviter ses rafales et d'avancer le long de la rue qui est totalement à découvert. Donc ça va être un peu ça. Évidemment, il y en a d'autres, on peut pas tous les faire, mais... Ah si, moi, Justin, mais franchement, que j'adore. C'est un des derniers boss, une nana, en fait, qui se bourre la gueule et qui vous tabasse avec une batte de baseball jusqu'à tout est normal. Et en fait, à des moments, en fait, c'est une nana, en fait, qui est habillée en petite Lolita, toute mignonne, tout ça, sauf que c'est une putain d'ivrogne. Sauf qu'à certains moments, en fait, quand on en a un petit peu marre de vous combattre, en fait, elle va s'arrêter, elle va s'asseoir, elle va faire et puis on a limite envie de la câliner, de lui caresser les cheveux, donc on s'approche. Et si vous approchez de trop, elle vous one shot d'un coup, elle se réveille, elle vous tue. Il faut pas l'approcher, il faut juste attendre qu'elle se relève toute seule. C'est plein de trucs comme ça, c'est des idées de gameplay qui sont à mourir de rire. C'est un scénario qui est complètement barge. La fin, le dernier boss, c'est absolument mythique. Et rien que pour ça, moi franchement, je le dis, No More Heroes, c'est un jeu culte de la Wii, pour ma part, et notamment avec certains de mes amis avec qui je partage cette passion, notamment avec toi Nico, avec mon ami Benoît, que j'embrasse bien fort. Franchement, c'est un jeu, pour moi, c'est un jeu culte, le tout premier No More Heroes. Précise que pour ceux qui n'ont pas de Wii et qui ne vont pas forcément, il est ressorti sur PS3, No More Heroes. Ouais, il est sorti sur PS3, il s'appelle No More Heroes Paradise, je crois. Oui, que ça je s'appelle. Crois que c'est ça. No More Heroes, Heroes Paradise, un truc dans ce genre-là, qui est sorti bien plus tard sur PS3. Moi, j'ai acheté la version, j'ai pas trop kiffé, parce que je trouvais que ça apportait pas grand-chose. Oui, c'est sûr, mais bon, là, c'est si les gens ont pas de Wii, qu'ils ont une PS3, qu'ils veulent le faire. Oui, bon, non, mais c'est ça, non, mais carrément, non, mais là-dessus, c'est le même jeu, finalement. Il y a quelques ajouts. Il est jouable PlayStation Move, je crois, si vous voulez retrouver les sensations de la Wiimote. C'est ça, parce qu'en fait, il est jouable à la manette, mais c'est vrai que quand vous voulez faire des exécutions, donc avec la Wiimote, vous donniez juste un coup de Wiimote et ça faisait le reste. Que là, en fait, avec la manette PS3, il fallait appuyer sur le stick et puis il fallait bouger le stick. Enfin, c'était un tout petit peu plus c'était moins académique, c'était moins un petit peu plus chiant qu'avec No More Heroes. No More Heroes qui utilisait plutôt pas trop mal la Wiimote et Nunchuk, c'était fait de façon assez sympa, sauf qu'on passe 3 ans après, et là Suda Goichi, son premier jeu a eu du succès, et donc il décide, je crois pour la première fois, non c'est pas la première fois, de donner suite aux aventures de Travis Touchdown. Et franchement, ces aventures-là, il faut pas les louper. Moi, je le dis. Après, c'est peut-être que mon avis. Mais moi, je le dis. C'est le meilleur jeu de Suda Goichi. Kill or be killed.
No More Heroes, c'est tuer ou être tué. Franchement, c'est énorme. Cette musique, je l'adore, cette musique de No More Heroes. De No More Heroes 2, Desperate Struggle, qui sortira toujours sur Wii en 2010. On reprend le même, et franchement, on l'aime. Donc, on va pas s'en priver. Travis Touchdown, qui part pour une histoire de vengeance absolument malsaine. Mais pourquoi veut-il se venger, Nico ? Et parce que son meilleur ami. Bishop, le gérant de vidéo club porno où Travis loue ses cassettes, s'est fait sauvagement assassiner. Et gratuitement. Oui. Et là, Travis Danny pète un plomb. Et c'est normal. Et c'est normal. Oui, moi franchement je dis c'est le meilleur jeu de Suda Goichi. On est d'accord d'ailleurs. Oui, ouais, je pense. Avec Shadow of the Damned, pour moi ils sont tous les deux. Ouais. Je préfère No More Heroes 2. Je préfère. Moi je les mets tous les deux au même niveau. Ah, ça va. No More Heroes 2, on reprend le même, en plus beau, c'est plus joli, c'est un peu plus, c'est beaucoup mieux fignolé, et surtout, on revient à l'essentiel du jeu, c'est-à-dire qu'on oublie vraiment le monde ouvert qu'il y avait dans le premier No More Heroes. Là, en fait, vous allez vous déplacer, alors il y a toujours un système, le système où il y a les magasins, tout ça, parce que dans le premier No More Heroes, on n'a pas précisé, mais vous pouviez acheter des fringues et surtout acheter des sabres laser, vous pouvez changer tout ça. Là, vous avez toujours ce principe-là, sauf qu'en fait, quand vous êtes, entre guillemets, libre de vos mouvements, vous avez accès à un menu sur lequel vous déplacez de magasin en magasin, mais voilà, vous n'avez pas de trajet à faire en moto, mais il n'a pas oublié la moto pour autant, hein, dans No More Heroes 2, je vous rassure, et si vous voulez, voilà, vous avez vraiment baladé comme ça, et donc c'est vrai qu'il se concentre vraiment à l'essentiel. Les niveaux, eux, sont beaucoup mieux faits, et puis il y a toujours les combats de boss qui sont... Je pensais pas qu'on pouvait faire pire que le premier, et pourtant il l'a fait. C'est assez énorme. C'est toujours bourré de références cinématographiques, vidéoludiques. Mais ce jeu, il est mortel. Alors là, vous avez déjà beaucoup plus de choix au niveau des sabres laser, parce qu'avant, vous aviez un sabre laser une main, là, vous avez des sabres laser deux mains, donc vous avez plusieurs types de sabres laser différents. Déjà de ça, donc vous avez encore plus de fringues, donc vous pouvez voir encore plus la classe que vous l'aviez dans le premier épisode. On retrouve Sylvia Christel et d'autres personnages, hein, quelques-uns qui ont été dans le premier No More Heroes. Donc c'est important de faire le premier avant de faire le 2, hein, comme c'est vraiment la suite. Là pour le coup, les deux épisodes sont vraiment liés pour le coup. Et c'est vrai que ce No More Heroes 2, Desperate Struggle, c'est quoi ? C'est-à-dire que vous repartez véritablement sur un scénario qui est... qui est fou, qui est bourré de références, comme j'ai dit. De toute façon, rien que le premier affrontement, vous affrontez un mec qui s'appelle Helter Skelter, qui est juste le sosie de Cloud de Final Fantasy VII. Il a la même épée, il a la même coupe. Si c'est pas lui, franchement, je sais pas qui c'est. Et le reste des boss, c'est... Non, mais je me marre tout seul. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est tellement con. Mais rien que le deuxième boss, c'est un joueur de foot américain qui se bat, il a toutes ses groupies comme c'est une star et tout machin. Mais le combat, mais ça part en couille quelques passes. C'est débile. Alors, vous dites, mais c'est bizarre, c'est quoi le but? Il veut juste se venger. Alors, faut savoir que Travis Touchdown, et comme il combattait plus depuis un ou deux ans, je crois, en fait, il a dégringolé dans le classement des assassins, il est passé 50e. Donc c'est vrai qu'au début on se dit « Waouh, on va faire 50 combats !» Non, non, il y a du Suda Goichi dans l'air. Ça serait un peu trop long parce que c'est des beats and all, hein, les No More Heroes. Et disons que c'est, voilà, faut compter 8 d'heures de jeu à peu près, pas plus. Et c'est vrai que No More Heroes 2, moi si j'avais un défaut à lui reprocher, c'est qu'il est peut-être un peu court parce qu'on en veut tellement plus. Ouais, c'est ça, t'as envie d'avoir plus de combats. Et il y a un truc que j'avais adoré dans No More Heroes 2, comme dans le premier, on peut faire des petits boulots pour gagner de l'argent. Ouais. Mais là, c'est fait façon mini-jeu 8 bits en pixels. Exactement, et ça, c'est excellent. Les musiques accompagnées, donc vous voyez Travis en mode 8 bits, et puis vous avez à peu près les mêmes missions qu'il y avait dans le premier, mais en façon rigolote, en façon petit jeu que vous pouviez trouver sur votre téléphone portable, quoi, finalement, aujourd'hui. Et c'est des trucs qui sont vraiment super réussis. Et il y a également un niveau, il faut savoir que vous n'allez pas jouer qu'avec Travis Touchdown. Et oui, il y a deux autres personnages qu'on incarne. Je spoil pas trop parce que c'était déjà dans les bandes annonces. Vous avez incarné d'autres personnages. Là, j'en dirai pas plus. Déjà d'une, j'ai oublié le nom d'un d'entre eux. Non, je crois que Shinobu, je crois qu'elle s'appelle. Oui, c'est ça. Là, je crois que c'est ça. Ouais. C'est Henry. Mais on dira pas qui c'est. Et donc vous allez jouer aussi avec d'autres personnages. Le scénario, tous les scénarios sont liés. Vous allez affronter des anciennes connaissances notamment. Et donc vous allez surtout donc jouer avec Travis Touchdown et aussi avec Sylvia Christel, parce qu'il y a une vraie relation entre Travis et Sylvia.
avec pas mal de scènes quand même qui sont assez loufoques, mais qui sont assez mystérieuses. C'est-à-dire qu'il y a encore plus d'efforts de mise en scène qu'il y avait dans le premier épisode. C'est encore plus référencé. Là, concrètement, il y a des références à Resident Evil 4 qui sont énormes. Il y a une référence à Metal Gear Solid qui est pareil, qui est énorme, où vous faites un petit jeu d'infiltration, où c'est exactement du... comme le premier Metal Gear Solid, mais vraiment la même chose, le même délire. C'est vrai que pour ça, le jeu va être fou jusqu'au bout, jusqu'à son boss de fin, mais qui est le boss le plus moche que j'ai jamais vu de toute ma vie. Mais qui est encore en plus, qui est loin d'être facile à... Qui est vraiment loin d'être facile à buter. Le Travis est toujours aussi con. Peut-être même encore plus. Je crois qu'il a perdu des neurones depuis le premier No More Heroes. Très franchement, qu'est-ce qu'on peut dire de plus de ce No More Heroes 2? Moi, je trouve que c'est le meilleur jeu de Suda Goichi. Pour moi, c'est une tuerie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tous les ingrédients dans ce jeu qui font que c'est un jeu complètement dingue. Il est beau, les musiques sont toujours aussi folles, il y a toujours du rock, du bon rock, comme on les aime, des putains d'affrontements, des scènes cinématiques qui sont vraiment travaillées, avec pas mal de références, comme je l'ai dit. Moi, franchement, à part le fait qu'il soit trop court... Enfin, trop court. Qu'ils soient un peu courts. Putain, moi, j'avais rien à reprocher. Et franchement, je le dis, c'est le jeu de Suda Goichi que je préfère, mais c'est aussi le jeu Wii que je préfère, avec du recul, même devant Xenoblade, Chronicle ou Pandora's Tower, que j'aime beaucoup. Mais No More Heroes, ça m'a touché parce que c'est un truc un peu fou, un peu otaku. Je dis, putain, je pense que sans Suda Goichi, ça n'existerait pas ce genre de jeu. Et franchement, j'en ai un tel bon souvenir de ce jeu-là que pour moi, si je devais décerner la palme du meilleur jeu, oui, ça serait lui, parce que franchement, tout ce qu'il ose dans ce titre, ça mérite la palme du meilleur jeu, oui. Toi, Nico, No More Heroes 2, c'était quoi pour toi? Ah ouais, j'ai adoré, franchement, c'est un jeu que, comme tu dis, le seul truc, c'est qu'à la fin, je voulais encore du Travis, je voulais encore buter des assassins, enfin voilà, c'est vraiment un jeu tellement... qui est tellement barré, tellement surprenant dans les affrontements, dans les éléments qu'il va apporter, que ouais, j'en garde un excellent souvenir de ce titre. Ah mais totalement. Et du coup, en fait, il faut savoir que Suda Goichi, avec les No More Heroes, en fait, il a voulu faire en sorte d'implanter un personnage principal fort. C'est-à-dire que c'était le cas avec Travis Touchdown. C'est un personnage principal qui a une grosse personnalité, qui a de la classe, qui a de l'humour, qui a plein de choses. Effectivement, c'est quelque chose qu'on va retrouver après dans ses autres jeux. Et son prochain jeu, ça va pas être des moindres, parce que le héros va également être un gros personnage. Mais ce qui est le plus important, c'est que Suda Goichi ne va pas être seul pour réaliser sa nouvelle bombe. Il va être entouré de deux autres stars. Je crois pas qu'il existe un autre jeu vidéo au monde avec un casting aussi bandant. Moi, je le dis, quand j'ai vu ça... Quand le jeu a été annoncé, qu'on a découvert les trois créateurs du jeu, on était comme des dingues. Vous savez de qui on parle? Shadow of the Damned. Shadow of the Damned. Alors, Suda Goichi va retrouver Shinji Mikami, qui a donc cette fois-ci définitivement quitté Capcom, hein, et qui va travailler avec lui. Donc, ils se retrouvent tous les deux pour une nouvelle collaboration. Et il y a une troisième personne qui va les rejoindre, et c'est pas des moindres. Akira Yamaoka, compositeur de la série Silent Hill. Un musicien qui a tellement de talent qu'il est même plus connu, parce que c'est un compositeur, hein, il est même plus connu que les créateurs de Silent Hill eux-mêmes, tellement il est génial. Alors, Akira Yamaoka, il vient, lui, de quitter Konami. Hein, on est en 2010 à peu près, parce que le jeu Shadow of the Damned sortira sur PS3 et Xbox 360 en 2011 chez nous. Il vient de quitter Konami. Il connaissait déjà Suda Goichi. Hein, il se connaissait, bon, bah voilà, hein, par biais de nombreuses relations qu'ils ont eues par le passé. Et il faut savoir que Akira Yamaoka était prêt à de nouveaux défis, à de nouveaux styles. Et c'est donc tout normal qu'il a accepté de travailler
avec Suda Goichi. Donc vous avez un jeu avec Suda Goichi qui a fait No More Heroes, Shinji Mikami qui a fait Resident Evil, et Akira Yamaoka qui est compositeur mais qui est aussi artiste hein, sur la saga Silent Hill. Bon bah voilà quoi. C'est pas trop dégueu ce casting là. Et en plus ça, comme je disais juste avant, on va retrouver un héros avec une personnalité assez costaude. Il s'agit de Garcia Hotspur. Oui, tout à fait. Garcia qui est un chasseur de démons. Ouais. Donc, en gros, il tue les entités démoniaques qui arrivent sur Terre. Malheureusement, il y a Flaming, le seigneur des démons, a jeté son dévolu sur la femme de Garcia, la belle Paula. La belle Paula. Et il a kidnappé Paula et l'a emmenée en enfer où elle deviendra son épouse pour l'éternité. Eh ben oui, parce que Garcia, en fait, il prend un malin plaisir à tuer tous les démons qui passent avec une cruauté sans faille, parce que c'est un bonhomme, ce mec. Et puis, bah, Fleming, il va kidnapper Paula et surtout, il va tenter de rendre fou Garcia parce qu'il va sans arrêt tuer et ressusciter sa douce et belle Paula. Pour évidemment rendre fou Garcia et aussi nous rendre fou et nous également ouais. Joueurs par la même occasion. Hein et donc Garcia va directement aller en enfer pour retrouver sa belle, mais il ne sera pas seul puisqu'il sera accompagné de Johnson qui est un pistolet démoniaque qui parle, qui est l'atout très humoristique du jeu, mais Garcia aussi il est pas il sera pas en reste non plus, qui peut se transformer en torche, une torche totalement inutile d'ailleurs, j'ai trouvé, mais pour bref, il se transforme en torche quand il n'y a pas d'affrontement. Alors concrètement, c'est quoi? C'est Shadow of the Dam, donc la musique est laissée à Akira Yamaoka, les bruitages, tout ça, tout ce qui touche au sonore est laissé au génial Akira Yamaoka, donc ça fait largement son effet. Il faut savoir que le scénario, la conception, la réalisation va être laissée à Suda Goichi évidemment. L'histoire, elle est encore une nouvelle fois folle, mais surtout il y a plein de petits détails à droite à gauche parce que on va aller dans le monde des démons et les démons ils ont un monde à eux avec leur politique à eux quoi. Et donc on va apprendre plein de trucs dans cet univers. Ouais, genre, ils détestent les fraises. Il y a un truc avec les fraises. Ils aiment les fraises. Putain c'est ça. Ils adorent les fraises. Il y a des pubs de fraises partout. J'ai vu qu'il y avait un truc avec les fraises. Les nouvelles glaces à la fraise, le nouveau machin à la fraise. Enfin il y a plein de trucs de fraises à la con partout. Enfin c'est du grand n'importe quoi, ils kiffent ça, les démons. Me demandez pas pourquoi. Il y a de la propagande pour des hommes politiques démons dans le truc. Mais il y a vraiment n'importe quoi. Et le gameplay, alors ça va être Suda Goichi, mais ça va être aussi également Shinji Mikami qui va faire plaisir vraiment à ceux qui aiment. Alors, déjà, dans l'ensemble de jeux, ceux qui aiment, vous savez, les films de zombies, de série B, tout ça, vous allez kiffer. Je pense à notre ami Stéphane F, qui a dit voilà, qu'il y a beaucoup de références à Evil Dead, ça c'est évident, c'est clair que c'est très référencé de ce point de vue-là. Le gameplay, moi je retrouve du gameplay de Resident Evil 4, c'est-à-dire un gameplay en fait où qui est pas très action, c'est-à-dire que les ennemis ils avancent tout doucement devant vous, et vous devez bien viser, mais quand il y en a 2-3, ça va, mais quand ils sont un peu plus nombreux, quand ils viennent de par derrière, c'est un petit peu plus gênant. Le truc par rapport à Resident Evil 4, c'est que vous pouvez bouger tout en visant, ce qui n'était pas le cas dans Resident Evil 4. Mais surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que le gameplay est parfaitement étudié, parfaitement calibré pour vous faire stresser. Et ça, je trouve ça très bien foutu. Surtout qu'il y a une donne qui va venir s'ajouter à ce TPS, c'est qu'il y a ce qu'ils appellent les ténèbres. En fait, les ténèbres, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est une espèce de brouillard épais qui va parfois recouvrir la zone dans laquelle vous vous retrouvez. Et quand les ténèbres sont là, les ennemis sont invincible, à moins de trouver, si je dis pas de bêtises, c'est une tête de chèvre. Oui, c'est des têtes de bélier. Il faut les faire s'illuminer pour dissiper les ténèbres. Il faut envoyer un tir de lumière, sauf que c'est pas si simple, il suffit pas juste de trouver le truc et puis de tirer dessus. Parfois, faut tirer dans un autre endroit pour toucher la cible. Enfin, il y a pas mal de compromis à faire. Et c'est vrai qu'en attendant, les ennemis sont invincibles. Vous pouvez rien faire, mais rien faire du tout. Et le jeu va enchaîner plein de phases de gameplay très différentes. Donc, il y aura ces phases où il y aura des ennemis tout à fait normaux avec ces têtes de bélier qu'il va falloir trouver à droite à gauche. Parfois vous allez être poursuivi par quelqu'un, je dirais pas qui, quand il va vous attraper, vous allez crever automatiquement, donc dose de stress en plus. Puis évidemment elle est pas toute seule hein, histoire de hein, pour rigoler. Mais également les boss, moi franchement par exemple le tout premier boss, il y a pas mal de boss qui sont assez excellents dans le jeu, mais le tout premier boss en fait c'est une espèce de monstre. On voit d'ailleurs un petit truc, une petite histoire à chaque début, avant d'affronter le boss on sait ce qu'il a été avant. Et on apprend ça par le biais d'un récit, d'un texte qu'on trouve, qui est raconté soit par Johnson, soit par Garcia. Et le premier boss, en fait, il a avalé un harmonica.
Alors, je ne me rappelle plus de quelle façon, hein, je vous avouerai. Mais en fait, le boss, il est, en fait, vous êtes entre des espèces de stands. C'est un peu comme si vous étiez au marché. Et donc, il y a des espèces de stands. Et en fait, le boss, vous ne le voyez pas. Vous l'entendez juste courir avec le bruit de l'harmonica qui est dans sa gorge, qui fait mais un bruit mais horrible, mais horriblement stressant. Et c'est que des idées comme ça que vous avez trouvées dans Shadow of the Dam jusqu'au dernier boss. Et c'est vrai que, alors, graphiquement, c'était pas foufou, mais ça restait correct. J'ai relancé le jeu il n'y a pas longtemps. Je trouve que ça, franchement, ça a plutôt bien vieilli. Moi, franchement, c'est vrai que le jeu est terrible. Ça enchaîne des séquences de gameplay totalement différentes, totalement loufoques, mais loin d'être mauvaise à jouer. Et franchement, ouais, moi, je mets No More Heroes 2, pour moi, meilleur jeu de Grasshopper Manufacture, mais juste après, c'est Shadow of the Damned, qui est vraiment un excellent jeu. Et moi, je comprenais, franchement, j'ai pas compris pourquoi les tests du jeu avaient été, pour certains, pas tous, mais aussi moyens, parce que, sans déconner, je veux dire, la même année, il y a Uncharted 3 qui est sorti également. Moi, il n'y avait pas photo. Shadow of the Dam était devant. Il était devant. Toi, Nico, Shadow of the Dam. Moi, j'ai adoré Shadow of the Dam. Ce serait peut-être même lui mon jeu préféré de Sudagoichi. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, voilà, pour moi, c'est un jeu où on retrouve le côté un peu horreur des Resident Evil, ouais, ouais, l'ambiance sonore des Silent Hill et le côté un peu déjanté de No More Heroes. Ah, mais c'est ça qu'il y a vraiment et, de ça. Quoi. Et ce mélange donne un jeu absolument génialissime. Non, mais puis il y a encore tout l'humour gras. Il y a même des phases de shoot'em up à des moments dans le jeu. Et exactement. Mais qui sont faites même pas avec le moteur graphique du jeu. C'est fait en 2D dans un style cartoon. Ouais. Mais c'est du Sudagoichi, du grand Sudagoichi. Ça, c'est clair et c'est clair et net. Shadow of the Dam, franchement, si vous aimez les jeux barges, mais foncez dessus. Il est très méconnu, mais putain, qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon. Et Sudagoichi, il va continuer. Cette fois-ci, il va mettre encore plus de sex appeal. Cette fois-ci, pour nous, les gars, on va retrouver la jeune et jolie Juliette Starling pour un autre jeu de Steve Beat'em All. Tu aimes les sucettes? Oui, j'adore ça. Tu aimes les tronçonneuses? Oui. Alors, Lollipop Chainsaw est fait pour toi, petit. Lollipop Chainsaw qui sortira sur PS3 et Xbox 360 en 2012. Ça raconte quoi? C'est Juliette Starling qui est une pam-pam girl ou une cheerleader en version américaine. Tout ce qu'il y a de plus normal, on fait présentation avec elle et dans sa chambre, elle se réveille tranquille, vous présente sa famille. Elle a l'air un petit peu bizarre, mais elle présente sa famille et son petit ami Nick qui l'attend à l'école dans son campus américain tout tranquillement. Sauf que le campus américain, il est attaqué par des putains de zombies qui vont attaquer le pauvre Nick et qui vont commencer à le mordre. Et Juliette, elle n'aura pas d'autre choix que de lui couper la tête, de faire une incantation magique et de mettre sa tête à côté de son cul. Juliette Starling a un gros secret, c'est que c'est une pom-pom girl, mais qui va tronçonner des zombies avec sa tronçonneuse tout en mangeant des sucettes pour régénérer sa santé. Bienvenue dans le Beat'em All complètement barré de Sudagoichi avec Akira Yamaoka aux musiques, même si, comme vous l'écoutez, là, c'est pas une musique d'Akira Yamaoka, c'est une vieille musique qui a été reprise. Il y a pas mal de thèmes comme ça qui ont été repris à droite, à gauche. Lollipop Chainsaw. C'était pas un jeu de fou, ça. Ouais, ouais, franchement, complètement. Le côté du personnage, la fille avec la tête de son petit copain. En plus, la tête qui est encore vivante, c'est-à-dire qu'il parle, il peut encore parler et tout. Et donc, voilà, c'est un jeu beat'em all, on va défoncer les zombies à coups de tronçonneuse et de techniques de combat. Donc, voilà, après, voilà, c'est un jeu que je mettrais un peu en dessous des autres productions de Sudagoichi, ouais, ouais. Notamment au niveau des boss du jeu. C'est-à-dire que le premier boss. Parce qu'en fait, il y a des niveaux, donc à la fin, on va porter un méga zombie en quelque sorte, qui sera le boss du niveau. Le premier boss, absolument, mais génialissime, puisque c'est une espèce de rocker. En fait, il nous crie quand il chante, et en fait, les paroles des chansons apparaissent en grosse. Je sais pas ce qu'il chante en disant fucking bitch, en gros, il nous insulte, hein, surtout. Voilà, les paroles apparaissent en gros comme des obstacles, en fait, qu'il faut découper. Donc, ce premier boss est excellent. Après, ça va retomber un peu dans la suite du jeu. Bon, mais le boss de fin est complètement débile, mais voilà. C'est un jeu qui est très très con. Alors, effectivement, on va pas trop s'étaler dessus. C'est un beat'em all qui est tout à fait classique. Après, vous pouvez acheter des techniques, tout ça.
Alors c'est vrai qu'il y avait, c'était très sexualisé hein, parce que mon jeu Starling était très, très bien foutu. Et donc vous pouviez acheter des costumes qui la mettaient un peu moins en valeur, on va dire. Hein. Il y a même le costume qui ne laisse plus trop de place à l'imagination. Hein. C'est le nom du jeu. Concrètement, moi ce qui me faisait beaucoup délirer, c'est qu'entre deux niveaux, vous aviez des mini-jeux. Et pardon, maintenant je crois que c'est le premier mini-jeu en fait. Vous allez affronter, c'est un jeu de basket. En fait, il y a les zombies qui sont là. Ils ont déjà 100 points. Et en fait, il faut leur tronçonner la tête. Et en fait, les têtes vont directement dans le panier de basket. Il faut réussir à battre l'équipe adverse comme ça. Ça, j'en pouvais plus. C'est qu'il y a pas mal de trucs comme ça. Ça mérite quand même largement le coup d'œil. Effectivement, c'est quand même moins bon que No More Heroes 2. Ouais, mais après, il est très sympa. Et Shadow of the Dam, mais c'est vraiment très sympa. C'est hyper barré, évidemment. C'est pas très très long en plus de ça à jouer. Moi, pour moi, alors, je vais qualifier ça. C'est peut-être un peu trop osé, mais j'ai qualifié ça presque de jeu culte chez nous sur Game Onitron. Pourquoi ? Parce que, avec Pierre-Marie, toi, Nico et moi-même, c'est un jeu qu'on attendait beaucoup, on en parlait beaucoup à l'époque. À l'époque, on s'appelait encore Prestart, hein, donc c'est vieux, c'était la cinquième saison de Prestart. On attendait ça beaucoup, effectivement, ça nous avait beaucoup fait rire, on en avait beaucoup parlé, donc c'est pour ça, pour nous, c'est un petit peu culte sur le plateau de l'émission Lollipop Chainsaw. Moi, en tout cas, ça m'avait beaucoup, beaucoup fait rire. Et surtout, donc il y a les musiques d'Akira Yamaoka qui étaient très, très, très rock, mais comme je l'ai dit, il y avait également des musiques reprises de d'autres groupes qui viennent un peu partout, des musiques des années 70 et tout, c'était franchement sympa. Très rapidement, il faut savoir que Grasshopper Manufacture, donc ils ont également réalisé, il n'y a pas forcément que Suda Goichi, mais réalisé également d'autres jeux. Il y a Black Knight Sword, il y a Cinemora, ces deux jeux qui sont en téléchargement sur Xbox 360 à la base et après sur PlayStation ensuite. Il y en a un, c'est un jeu de plateforme un petit peu hardcore, mais assez sympa, un petit peu loufoque également. L'autre, c'est un jeu de shoot qui est très beau, mais très court et qui présente pas beaucoup d'intérêt. Il y a un petit scénario, un univers qui est assez sympa, mais ça, on en reste là. Grasshopper Manufacture, c'est également Let It Die, c'est un free-to-play qui est sorti en fin d'année dernière, et qui est pas dégueulasse. Alors, faut savoir que le jeu le plus vendu de Grasshopper, c'est Lollipop Chainsaw, hein. Il a fait quasiment 1 million de ventes sur truc. Mais, je pense que c'est ça. Ça reste des ventes relativement modestes, mais sinon, c'est vrai que le jeu qui s'est le plus vendu, mais c'est un free-to-play, donc c'est-à-dire qu'il est gratuit à l'acquisition, c'est Let It Die, avec plus de 3 millions de téléchargements. Il a eu pas mal de succès. Il a eu pas mal de succès. Il est loin d'être dégueu. On va pas s'y étaler, parce que moi, j'ai juste essayé, on n'a pas trop joué, parce que comme c'était free-to-play, on va le dire, ça nous intéressait pas spécialement hein, avec toi, Nico. Et puis, Grasshopper, c'est également Killer is Dead. C'était un jeu qui est sorti en 2013 sur PS3 et Xbox 360 également, dans lequel vous incarniez un tueur qui s'appelait Mondo, avec une patte graphique qui était, pareil, assez folle, assez dingue. C'est un jeu qui est un peu comme Lollipop Chainsaw, on va faire vite, parce que c'est un jeu qui nous a un petit peu laissé sur notre fin, je pense. C'est vrai qu'il n'y a pas de la folie et le génie qu'on a pu lui connaître sur les premiers jeux dont on vous a parlé, sur lesquels on s'est un peu plus étendu, parce que moi, je trouvais qu'il présentait beaucoup plus d'intérêt, hein, bien évidemment. Et il y a également un dernier truc, ça s'appelle Short Piece. Alors, c'est quoi? C'est un truc que vous trouvez sur PS3. C'est 4 court de métrage réalisé par Katsuhiro Otomo, le génial réalisateur de Akira, qui a fait 4 courts métrages, un peu comme il avait fait avec Memories, hein, pour ceux qui connaissent, donc du même réalisateur. Ça, c'était vraiment excellent. Et sur le même CD, donc vous avez ces courts métrages et un petit jeu qui s'appelle Ranko Tsukihime Longest Day. Ça a l'air d'être un tout petit jeu comme ça à la con. C'est hyper addictif, c'est fait par Suda Goichi lui-même, c'est assez excellent, ça dure pas très longtemps, franchement, ça se trouve sur PS3, si vous tombez dessus, si vous êtes un peu fan du genre, mais achetez-le direct, mais vraiment direct, j'ai pas raison. Ah ouais, excellent, en plus l'héroïne qui fait un petit bruit quand elle... Ah, on a trippé là-dessus pendant un moment. Ah oui, tout à fait. Et l'année prochaine, Travis Touchdown reviendra ouais. Puisque c'est Travis Strike Again voilà. No More Heroes 3, qui sort prévu sur Switch. Alors, ça n'a pas été dit que ça serait une exclusivité Switch. Ça a été sous-entendre qu'il sortirait sur d'autres consoles.
Mais c'est affaire à suivre en tout cas. On va s'arrêter là. Merci Nicolas. Merci Souda Goichi, Souda 51. Merci Grasshopper. Non mais vraiment merci parce que je suis fan véritablement de ces jeux. Il en faut plus de gars comme lui qui ont le courage et le culot de faire de tels jeux. Merci à lui en tout cas. C'est une vraie déclaration d'amour qu'on lui fait ce soir. Nous, la semaine prochaine, on va retrouver Shinji Mikami, mais ouais, cette fois-ci seul. On aura un petit sujet sur lui, sur les jeux qu'il a fait et on parlera de The Evil Within 2. Un jeu qu'on attend de pied ferme. Ouais, énormément. Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. On termine avec la musique de Shadow of the Damned, composée par Akira Yamaoka et chantée par la géniale Marie-Elisabeth Magline. Rendez-vous sur notre Facebook, notre Twitter et sur notre site GameOnNet30.fr et semaine prochaine sur Radio Campus Clermont-Ferrand. Ciao, bye bye! Ciao! Here, the love.